Mesdames, Messieurs, ah, voici une nouvelle qui va réjouir tous les charlestonneurs. Les éditions Francis Salabert vous présentent la chanson qui sera le grand succès de l'année 1925 naissante. Aïe, chez Sweet, en français, n'est-elle pas délicieuse? Je vous rappelle que ce morceau existe également en rouleau perforé pour auto-piano, modèle autonome. Et veuillez préciser à la commande si votre instrument comprend 65 ou 88 notes, c'est très important. Envoi pour une réception de 12 francs, plus 1 franc de frais d'expédition. Mais dites-moi, ça va faire très cher. Mais qu'importe, c'est un succès. Mais au moins, les paroles sont-elles chantantes? Vous vous en doutez? Écoutez plutôt, j'embouche mon porte-voix et me voilà qui entonne. La voici, celle qui m'a conquis, oui. Connaît-on, un être aussi mignon? Non, je serais curieux, je vous le dis, de savoir si tout le monde est de mon avis. N'est-elle pas délicieuse? Avouez qu'il n'y a pas de femme plus gracieuse. Son sourire, sa grâce mystérieuse et son charme font dire tout bas qu'elle est délicieuse. Elle m'a pris d'un simple geste l'esprit, l'essence, le cœur et le reste. Bien qu'elle soit coquette et capricieuse, je l'adore car n'est-elle pas vraiment délicieuse? Alors, ça vous plaît? Oh, oui! Donnez-moi tout de suite 15 petits formats. Oh, c'est pour un ensemble! Oui, oui, je suis chef d'un jazz band. Genre Paul Whitman? C'est cela, oui, nous appelons Coco et ses Merry Boys. Professionnel! Oui! Eh bien, chantez donc, si, en anglais. And she's sweet, see her coming down the street. No, I ask you very confidentially, and she's sweet. Ain't she nice? Look over once or twice. No, I ask you very confidentially. Ain't she nice? Just cast an eye in her direction. Oh me, oh my, and that perfection. I repeat, don't you think that's kind of neat? And I ask you very confidentially. Ain't she sweet? Charleston is good for me.